Thank you.
C'est sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui grand tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Assoyez-vous ici. Il demanda, où l'avez-vous déposé? Il lui répondit, viens voir, Seigneur. Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée sur une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, voilà. Nous devons dire comme Job, que son nom soit béni, quelle que soit la situation. Parfois, nous croyons que le jeune homme ou le vieil homme qui part paie un châtiment de ses péchés. Et pourtant, le Seigneur a jugé bon de le reprendre avant que son âme se corrompe. Avant qu'il soit corrompu, comme notre société qui nous a donné cette surprise avec ce jeune frère, plein d'enthousiasme, d'énergie, capable de beaucoup de choses et qui est parti comme une fumée. Nous venons lui dire un dernier adieu, mais en même temps implorer sur lui, sur son corps mort ici, la bénédiction du Seigneur qu'il a aimé, qu'il a choisi, qu'il a créé et qu'il a certainement appelé, ou qu'il s'est résigné à accepter ce rappel produit par les fils d'Haïti. C'est chaque jour que nous écoutons des nouvelles pareilles. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un d'entre nous est parti sous les balles assassines, sous des guet-apens. Jusqu'à quand cesseront de couler, ce sera de couler le sang des hommes d'Haïti par leurs propres fils. Quand est-ce qu'on freinera cette machine infernale qui sème la mort parmi nous, d'entre nous, par nous. Nous n'avons pas créé la vie. Nous n'avons aucun droit de détruire la vie. La vie est sacrée, elle vient de Dieu. Dieu seul en est le propriétaire. Profitons de cette occasion pour prier pour tous ceux qui sèment la mort, pour tous ceux qui donnent la mort, mais en même temps pour les victimes, puisque notre frère Jésus-Christ a offert son pardon sur le poids de la croix, et pour les victimes, et pour les bourreaux qui se repentissent, qui se convertissent. Nous sommes au temps du carême, temps de conversion, temps de pénitence. Offrons l'âme de notre frère à ce Dieu tout aimant, tout puissant, qui est tout amour, qui va l'accueillir et donner consolation à sa famille, à ses amis, à ses connaissances et surtout qui peut changer le cœur des Haïtiens, le cœur de ceux qui conduisent cette machine infernale de mort pour que cesse de couler des larmes dans nos yeux.
Nous avons écouté comment Jésus, lui aussi, a pleuré devant le tombeau de Lazare, son ami qui l'aimait. Comme notre frère pleure devant le cadavre, le corps de notre frère Ralph, parce qu'il l'a aimé. Mais je disais, voyez comme il l'aimait. Mais certains se moquaient de cette famine de Jésus en disant, ne pouvait-il pas empêcher à Lazare de mourir, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. C'était pour que la gloire de Dieu arrive, se manifeste d'entre les hommes. Sans doute, Ralph est parti pour que d'autres vivent, pour la conversion d'autres âmes qui tendent vers la perdition éternelle. Nous sommes confiants que le Seigneur qui nous l'a donné est là, il l'a remis. Et lui redonnera la vie en plénitude que personne d'autre ne pourra détruire. Que le Seigneur l'accompagne dans son chemin vers le paradis. Qu'il lui donne possibilité de contempler sa lumière, son visage, tel qu'il est. Et que à nous qui nous débattons ici-bas, il puisse aussi nous donner le réconfort. Pour qu'un jour nous puissions le rencontrer en ressuscité, là où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, ni souffrance, ni l'amour. Amen. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père, comme nous venons de le chanter. Pour nous-mêmes, les membres de la famille de Ralph, ses amis, ses connaissances, puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra de la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous un instant dans cette espérance. Tu le sais, sa maison, notre Père t'attend. Tu le sais, sa maison, notre Père t'attend. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Tu le sais, sa maison, notre Père. Le sang de Jésus-Christ par sa mort sur la croix. Le Seigneur sang entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Ma prière devant toi, Seigneur, demande un sens et même comme l'offrande, qu'il soit notre Père qui est au ciel. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Amen. Il est au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Marchez, marchez, moi. Allez.